Bonjour à tous. Ah non, merde. Bonjour à tous. C'est Oscar pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui sur Destiny parce que c'est la suite de la suite de la suite de la suite. Machin, mes couilles en ski. Oui, j'ai un nouveau truc. J'ai plein de trucs. Ok. J'ai des défis saisonniers. Machin. Hop. Je regarde même pas. Si. Ah, le kiosque de radio du Simu. Parfait. J'ai écouté les transmissions. Génial. Ok. Bon. Bah, mesdames et messieurs, déjà on va se mettre en son énorme. Voilà. Histoire de vraiment bien entendre. Et sinon je vous baisse le son. Il faut que je pille des assauts mes couilles. Ok, très bien. Le simu. C'est parti. Bon, voilà. Ok. Alors, regardez. C'est le tueur de souhait, The Lamebot. C'est parfait. J'ai pas d'armement, mais c'est parfait. Sinon, j'adore cette arme, elle est incroyable. Les arcs, let's go les arcs. J'ai des pompes, j'ai des trucs. Fuck ça. Bref, on va falloir que je les déplace et tout. Bon, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs dans mon inventaire. Déjà, avant de commencer là, boutique. Quelle est la boutique? Alors, vous avez fait ce que vous pouvez. Il me parlait? Fais attention, toi. Gardien, beau travail. Bah, de rien, mec. Non, attendez. Il faut qu'on change l'audio, c'est bizarre. En 5-5. 5-5, c'est parfait. Ok. Ouais, il faut appuyer. Ok, parfait. Donc, boutique. Faut regarder la boutique de la semaine, vous savez, comme ça, on en parle. Bon, ça, ils ont essayé. C'est parfait, le reste, déjà. Et du coup. Oh, putain de merde. Alors. Ça c'est le pire, c'est le pire de mille voix. Ok, projection statique, c'est marrant, c'est intéressant. Ça c'est un vaisseau de merde. Ça c'est stylé, ça c'est très très stylé pour le coup. Peut-être que je vais le prendre. La coque céleste, extrêmement stylé bien sûr. Imagerie aveuglante, oh très très stylé aussi, incroyable. Et l'aube flamboyante. Alors celle-là, elle est incroyable. Ok. Très très stylé. Alors ça par contre, c'est que 700. Pour la lumière aveuglante. Ok. Bon. En gros, stylé, 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 stylé. Et bof, bof. Et ça va. Voilà. J'ai que 6700, donc il va m'en falloir plein des poussières de mes couilles. C'est où? C'est là? Ah oui, là. Ok, d'accord, très bien. Ok, bon, très bien. Conseil de guerre. Nous avons enfin un plan pour frapper les cabales en plein cœur. Je n'aurais pas agi ainsi, mais au moins, nous agissons. Oui, voilà. Zavala a défié Kayatel afin de régler la situation. Elle n'a pas répondu, mais Osiris pense qu'elle acceptera le rite d'insertion. Pour ma part, je trouve qu'un assaut généralisé est bien plus décisif. Ok. Vous devez encourager Kayatel à accepter la solution facile. Ses apprentis commandants lui sont essentiels. Frappez-les aussi fort que vous le pouvez. Et continuez tant que le commandant Zavala ne vous arrête pas. Génial. Détruisez leurs enfants, leurs femmes, leurs gosses, leurs jobs. Le seigneur Saladin rejette l'idée que tout miser sur un combat cérémoniel, non, de tout miser sur un combat cérémoniel au lieu d'affronter Kayatol dans un ultime assaut. Même s'il se remettra au plan du commandant Zavala et d'Orisiris, il a bien fait comprendre quelle était sa position sur le sujet. Il veut que vous vous assuriez que Kayatol n'ait pas d'autre choix que d'accepter l'offre d'Osiris en forçant ses troupes à se soumettre sur les champs de bataille du système tout entier. Enculé. Ok, parfait. Les contrats, les contrats, les contrats, les contrats, pas ça. Le marteau, j'en ai pas. Hein. Ok, parfait. Pour une fois que j'en ai pas directement. Parfait. Je dois faire quoi du coup? Ah. 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 Ok, bon. De l'or cabale. D'accord. Ça, il me faut des charges du marteau qui me donnent un engramme, ok.
Ok. Allez. Hein. Et leur cabale. Parfait. Je suis sûr que... Ah mais non, parce que... Attendez. Ça augmente les chances d'en trouver. Mais j'en ai combien là que je drop quand je fais leur cabale? Quand je fais le machin cabale de base. Deux. Ah. Deux unités. Il m'en faudrait deux du coup. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, on va faire un autre truc, hein, genre un assaut ou n'importe quoi. Bah tiens, en parlant d'assaut. En fait, je sais pas si... Ouais, non, il y a moyen que l'assaut soit... Il faut que je fasse 12 fois, je crois. Ouais, ça, il faut que je fasse 12 fois. Bon, bah, on va le faire une première fois. On va commencer par l'assaut, comme ça, on aura de l'or cabale. Donc, l'assaut m'a dit que c'était sur Nessos. Non. 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 Oui. Parfait. À l'attaque. Faisons l'assaut. Et on revient plus tard, voilà. Dès que ce sera un truc intéressant. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Parfait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai tueur de souhait. Parfait. J'ai l'adoration. J'ai la guillotine. Et j'ai le nouveau vaisseau, le caillotte. Ah, c'est le vaisseau du donjon. De la cité des rêves. Vraiment stylé pour le coup. Très 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 stylé. Alors bon, sans ça c'est bien aussi. Alors, ça c'est bien. Ça c'est ok. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Fuck, c'est pas ce que je voulais. Mais voilà, bon, j'ai pris un truc qui se voyait dans le noir. Comme ça, vraiment. Je peux regarder, je peux voir mon vaisseau et me dire, ah, c'est celui-là. Parce que personne n'aura cette combinaison de couleurs, bien sûr. Donc, c'est bien. C'est parti. À l'attaque. Ça fait un peu légèrement vaisseau fnatique, mais malheureusement, c'est trop rouge. C'est parti. Nous acceptons le rite d'assertion. Les cabales envoient leur champion. Ah. Nous relevons le défi. Quel connard. À l'unisson. Puisse cela mener à l'unité. Ah bah ça y est, parfait. C'est là, on va se spoiler. Excusez-moi, cassez-vous. Oh putain, on va se faire cabaler. Au secours. Il faut terrasser, merde. Putain, ça m'apprendra à écouter les gens. Tiens. 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 Hop. Elle accepte donc finalement le rite. Let's go. Oh putain, un connard. Fuck. Oui. Non. Oh putain, c'est chiant. Meurs. Non, peut-être pas l'épée non plus. Ah alors lui, il est vraiment au bon endroit au bon moment, ce connard. Du coup, on peut voir les gens. Ouais, je vais peut-être ranimer toi. Et regardez, du coup, là, je vise. Vous le voyez, on le voit, on le voit, on le voit. Et on le voit toujours! Incroyable. Et là, on le voit plus parce qu'il est mort. Mais ouais. Voici l'Alpha Selectus, le fossoyeur. Sa gueule déborde de terre rougeâtre. Le chemin ne sera pas sûr. Eh bah, dis donc, ils veulent vraiment pas qu'on arrive avec un passereau là. Il y a moyen de me le maroufler, certainement, mais. J'ai pas vu ce que je dois prendre comme arme pour les contrats. C'est chiant. Oh mon dieu. Ma machine de guerre ronronne. Elle a soif de combat. Avez-vous le même appétit? Ouais, let's go, le combat, let's go. Putain, les gens connaissent déjà par cœur l'assaut là. Eh bah dis donc. Vous combattez avec bravoure, gardien. Dommage que vous ayez à payer le prix de la fierté de votre commandant. Les gardiens ne s'agenouillent devant personne. Pas même moi. Eh ouais. Saladin, il aimerait pas s'agenouiller devant toi, tu vois. Et du coup, il le fait pas. C'est ça qui est beau. Oh le. Ah, le champion, Kayatol. Mettons un terme à ce combat. Ma garde d'honneur mérite sa place
dans cette bataille. Une victoire décrochée ici honorera tous les cabales. Comme vous voulez. Il est mort. Je crois qu'il est mort. Ok. Cet effet. Cet effet sonore est incroyable. Mais putain, mais c'est qui me tire dessus? Ah, c'est lui. Connard de virus. Fuck. Je suis nul. C'est bon. Parfait. Par contre, je manque de munitions. Normal? Ils n'ont pas par. Ah, si, ok, parfait. Bien. Loupé. Fuck. Il a bouffé le bruit de mon sniper ou c'est moi? Ah ouais, non, mais attendez. J'ai pas signé pour ça, moi. Il y en a deux! Mais ça va aussi! Oui, j'aurais dû prendre Xénophage. Ah, au secours! Non, ils m'ont pas vu. Oh putain, il m'a vu. Oh, je vais. Non, je vais rien faire en fait. Ça va, j'utilise les ténèbres. Voilà, parfait. Bon, déjà, ça fait un de moins. Je vais aller ramener mon pote. Non! Mon pote ranime mon pote. Parfait. Y'a un autre tank ou pas? Non, c'est bon. Parfait. Voilà. Ils font chier. On a un gros pouvoir de transperçage. Mais pas tout le temps. Voilà. Bon, maintenant. Wow. Pas très sympa, ça. Putain. Quel connard. Quel bâtard. Si notre ennemi est capable d'évoluer, soyons le catalyseur forçant un tel changement. Soyez moins nul. Monstre qui coupe les jambes de puissants héros. Mon char ne sera pas si aisément vaincu. Bah j'espère, sinon ce serait un peu chiant quoi. Il est en train de marcher ce chien. Il nous amène où? Oh, je sais pas quoi faire avec ça. Excusez-moi, hein, je suis pas là, je suis passé. Hein. J'existe pas. Hein. Aïe, je me fais bloquer. Hop, into, instantanément faille. Je crois que je vais pas survivre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, ma magie. Parfait. Il y a des gens qui arrivent. Oh putain. Ok. Mais connard, sois tranquille. Connard. Oh putain. Oh putain. Parfait. Ah bonjour. Tiens. Dans les airs, dans le sol, dans les airs encore. Voilà, gros coup de coude. Ah, faut vraiment y aller là. Je me disais, est-ce qu'il y a un truc qui va apparaître de là-bas? Ok. Quelle force. Voyez ce que votre lumière peut accomplir. Je cherche une telle puissance. Pas pour moi. Génial. Preuve d'altruisme. Nous
discuter si vos troupes arrêtaient de tenter de nous tuer. Ah. Mariez-vous en fait. Les champions sont prêts, Kayatol. Et le vôtre ? Oh putain, les armures. On marche sur les armures de Cabal, détruit. Putain. Et en fait, le champion, c'est Gaul. Oi, oi, oi. Ça y est, la musique s'en... Ça y est. La musique commence à faire un truc. Vas-y, ouragan de glace. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il s'est barré. Ah. Tiens. Excusez-moi, c'est pas par là que je... Voilà. Oh putain, fuck. Heureusement qu'il est bas niveau. Mais qu'est-ce que... Ah, connard. Il a très vite. Salut, ça va? Au revoir. Bon ben voilà, c'est pas si dur. Moins de 15 minutes. Eh ben dis donc. Kayatol, votre champion est tombé. Vous avez obtenu la victoire dans le rite d'insertion. Je suis lié par notre accord. Votre champion s'est battu avec honneur. Et c'est également avec honneur que vous acceptez la défaite. Chez. J'ai entendu un chez. Et c'est bon, ça y est, j'en ai eu de leur cabale. Putain, j'ai pas eu d'or cabale. Oh, ça pète les couilles. Oh. Tout ça pour ça, quoi. Pourquoi on n'a pas d'or cabale quand on fait des assauts? Oh, quelle vie de merde. Attendez, il faut terminer des trucs? C'est une combinaison particulière? J'ai pas... Il faut que je lise. Oui, déterminer des programmes d'assaut. Ah, c'est des programmes. Oh, vous pétez les couilles. Oh putain. Oh là là. Bon, au moins on aura terminé, on aura fait cet assaut, quoi. Oh, les programmes, quoi. Ah merde, j'ai pas vu la brûlure. Fuck. Attendez. On peut pas voir. J'ai une chance sur 3. Non, c'est bon, parfait. Et cryo électrique. Parfait. Du coup, on a quoi? Alors ça, ça pue. Ça pue. Ouais, non, ça pue. Définitivement, en fait. Ça, c'est ok. Hein. C'est de la merde. J'ai attendu un peu, mais c'est de la merde, en fait. Parfait. C'est de la merde. Attendez, j'ai 12 arcs, mais putain. Oh. Bon. Alors. On va speeder un peu plus. Il faut que je prenne un sniper. Ah bah non, bah tiens. Autant prendre ça et prendre deux snipers. C'est ça, ouais. Ouais, aventurons dans le noir. Déplacez-vous rapidement, mais avec précaution, gardien. Déplacez-vous rapidement, mais pas trop quand même. Allez. On court si vite. En sautant partout. Oh là là. Allez, tirons sur les gens de loin. À moins que j'ai... Ah fuck. J'ai loupé une balle, ça y est. Je suis dans la merde. Y'a personne là?
Je crois que je vais rester au milieu et je vais sniper les mecs de loin. Ah. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh enculé! Oh elle bouge! C'est pas du jeu. J'arrête. C'est pas du jeu. Putain, il bouge tellement pas. Tellement trop. Et lui, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfait. Il nous manque là. Let's go. J'ai gagné une balle. Ah bah génial. J'ai un... Ok, parfait. Défi saisonnier, je sais pas ce que c'est. Maintenant on va taper de près. Tiens! 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 Mais putain! Laissez-moi taper des gens! Oh putain! Oh je vais les tuer avec ma magie! Magie! Tiens! 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 Ah j'ai pas eu le temps! Toi! Oh tiens! On est où? Ok. Tiens! Ouf! Oh la deuxième! Oh là là! Ce frag de précision! Un! Ok, ok, ok. Je crois que j'ai pas eu le temps. Ok, ok, ok. Normalement, il y en a un au milieu. Oui, voilà, parfait. Ouvre tes yeux! Connard. Il est parti où? C'est mort. J'aime pas essayer. Renier mon identité. Essayer. Et qui peut me stopper? Non, excuse-moi. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal comme ref. C'est le genre de ref qu'il faut mettre. Oh! Meurs! D'accord, immunisé! J'avais oublié, c'est le boss. Il se barre. Il y a des gens là? Oh! Non! Mais putain! Il a wave dash! Je suis sûr que je passe de là. Oui, je passe. Un. Fuck. Tac. Parfait. Connard. Quoi? Tiens. 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 Oh putain. Mais laissez-moi. Mais bordel! On me bombarde! Connard. Et paf. Ouais, j'ai plus de munitions. Non, c'est bon. Aussi pure et puissante que le soleil transperçant votre peau. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est stylée cette arme. Ont inspiré une peur et un effroi durable au sein de la ruche. Mais il y a autre chose. Mais il y a autre chose désormais. Vous êtes allé là où elle souhaite se rendre. Okay. Vous avez communié avec l'objet même de leur adoration. Sous la haine se cache une terrible admiration. Oh, c'est beau. Et plus profondément encore, une violente et irrépressible jalousie. Bon, pas de chance. Et bah franchement, si la rue c'était pas autant une grosse fourmilière de merde, bah, ça serait incroyable. On pourrait peut-être même coopérer. C'est pour ça que c'est chiant, parce que il y a 4 races majeures dans Destiny, bon si on compte pas les infâmes qui sont basiquement déchus, donc il y a 4 races majeures dans Destiny d'ennemis. Il y a les déchus, donc les Elixni, qui sont nos potes là, enfin il y a la moitié qui sont nos potes maintenant, grâce à Varix, sur Europe.
Il y a les cabales qui sont pas loin de devenir nos potes du coup là. Grâce à Kayatel, tout ça. Parce que bon, eux aussi ils ont perdu des gens avec la ruche et tout, donc c'est la merde. Le problème c'est que les deux autres races, c'est les Vex. Bon, et je crois que les Vex ils veulent pas forcément. Ouais, c'est pas forcément nos potes quoi. Ils c'est pas prêt de les être, malheureusement. Et la ruche, sauf que la ruche c'est vraiment un ramassis d'enculés. Donc du coup je sais pas trop. En fait, d'un côté j'aimerais bien avoir le truc où il y a des races qui deviennent nos potes et du coup on peut les incarner dans le prochain Destiny, tu vois. Ça serait vachement stylé ça. Mais de l'autre côté, en fait, l'idéal ce serait qu'il y ait genre une race à chaque fois par classe. Et que genre tu puisses l'avoir que si t'es de la dead class. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que en fait imaginons, les chasseurs ils ont les déchus, donc les Elisni, les titans ils ont les cabales, parce que bon voilà, on va pas se cacher, si les cabales étaient des gardiens on serait des titans. Alors j'ai... à la limite on aurait des pions, les arcanistes, ils sont tout petits, donc je sais pas. Bref. Et ça serait quand même des cabales quoi. Mais du coup oui, on a. Ça manque de trucs pour les arcanistes. Est-ce que je vais réussir à. C'est bon. Ah ouais. C'est parfait. Alors. Oh là là là. Je peux que les two shot hein. Alors. Ah ouais merde, c'est vrai qu'à cet endroit là aussi. Chiant. Connard de virus. On en est où d'ailleurs? 86. Connard. Okay. Je l'ai eu. Gagné. Alors je peux pas passer. Je peux pas passer devant. Voilà. Sinon vous avez d'autres trucs hein. Parce que là ouais, j'ai pas d'armes incroyables. Alors si, j'ai un théoricraft intéressant. C'est avec les armures exotiques. Le feu chromatique. Feu chromatique into Deadman's Tale. Deadman's Tale. Je pense que on est sur un truc assez intéressant. Ah non. Ok. Là, va falloir viser, là. 1, 2. Oh, j'ai loupé. Ma faute. Je perds tellement de DPS. Voilà. Voilà. Non, je vais changer. Ouh. Oh putain, j'ai failli crever parce que l'animation s'est cancel. Il faut absolument qu'on soit sur le sol, donc si on a une chute de 1 cm, ben c'est la merde. Qu'est-ce qu'il se passe, hein? Ah, Shladoun. Flamme doudoun. Oh. Meurs. Fuck. Bon, elle est de dos aussi. Fuck. En vrai, ce qui est bien, le feu chromatique avec le feu chromatique, ce qui est bien avec le qui le rend bien en fait avec le Deadman's Tale, c'est que Deadman's Tale, au-delà du fait que voilà, n'importe quelle autre arme fera l'affaire,
c'est que bah, finalement, avec le Dead Man's Tale, t'as vraiment quasiment que des. Iris, c'est terminé. Let's go. Putain, non mais sérieusement? Non, c'est bon, c'est pas encore terminé. Non mais c'est normal. J'ai pas encore terminé. Voilà, merci. Oh. Je sais pas appuyer sur O. Nous avons beaucoup à nous dire. Bon, suivant. Putain, on a mis combien de temps? 30 minutes juste pour arriver à insertion dans le marteau. Oh putain, mais du coup ça marche pas? Ah oui, ok. Alors par contre, ça compte. Let's go. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Pas besoin de refaire un champ de bataille. Par contre, là, il veut vraiment le faire. Hein. Oui, c'est ça. Bon. Dim. Dim, dim, dim. Il faut sortir le dim. Dim. Parce que, bah parce que il me faut le feu chromatique, donc il me faut le dim. Tac. Et j'ai pas envie d'aller à la tour. Par contre, ah mais attendez, est-ce que j'ai non fuck. Oh j'ai pas de module. Bon bah il va falloir que j'y aille de toute façon. Ah fuck. Voilà la tour vite fait avant de lancer le dim. Enfin, en plus de lancer le dim. Comme ça, j'aurais pas besoin d'aller dans le coffre. Qu'est-ce que c'est le DIM? C'est le Destiny Item Manager. Le Destiny Item Manager qui me permet de faire... Alors, il est où? Là, un truc comme ça. Voilà! Let's go. Bon, alors il y a combien? 59. Ça va. On aurait pu avoir pire, mais on aurait pu avoir bien mieux. Bon. J'ai vraiment rien de plus... Enfin, je l'ai pas eu drop en plusieurs fois, je crois. Hein. Non, c'est... Non, c'est pas trop le cas, non, normalement. Ok. Bon. Du coup, on va aller chercher la... le module d'amélioration. Parfait. Module d'amélioration. Module d'amélioration. Putain, j'ai qu'une seule matrice. Au secours. Voilà. Pour vous. Voilà. Ok, parfait. Et du coup, là, hop, et bah, j'ai un 1300 là, mais est-ce que j'ai plus? Non, j'ai pas plus. On va démanteler ça, hop, 1300 de puissance, et il me faut des matrices pour l'augmenter, donc on va rester comme ça. On va juste... alors, j'avais dit quoi? J'avais dit... c'est la récupération. Ok. Du coup, récupération. Ah oui, là je peux en avoir 15, c'est ça? Quoique. Non, c'est juste qu'en fait, comme je suis à 10 piles, je peux pas avoir la récupération. Donc je prends. Ok. Parfait. Là. Tac. Je viens de me rendre compte que je peux lancer un champ de bataille en même temps. Hop. Champ de bataille. Ok. Alors, donc, pendant ce temps, t'es stylé, mais est-ce que j'ai un autre... Non, j'ai pas un autre... Oh putain. qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Putain de merde. Oh, c'est chum, putain. Pourquoi Jacarina se fait toujours spolier? Bon, bref, on va prendre ça, ça a l'air marrant. Putain, j'adore ce camouflage, putain, c'est trop bien. Bref. Par contre, c'est une doctrine de la lumière, on est d'accord. Hein. Oui, doctrine de la lumière, ok. Ça, c'est un simulacre. Ok. Ok, bon. Ah oui, et bah du coup, je me prends Deadman's Tale, du coup. Non, la guillotine. Le sniper. Deadman's Tale. Ok, parfait. C'est le bon? C'est certainement le bon. J'en ai plus qu'un. Ouais. Les cabales ont établi une base près d'ici. Parfait. Oh, je voulais le détruire avec mon Vessal. Il va falloir une sacrée pierre. Je vais...
Ça va vraiment me faire rire à chaque fois ce dialogue. Putain. En plus, je crois que j'ai vraiment, c'est vraiment la 10e fois que j'ai ce dialogue et à chaque fois je rigole. Aïe. Oh, ça explose. Renard. Oh non, casse-toi. Putain, le pauvre. Ah tiens, bonjour. Et paf. Ils sont combien en fait? Eh bah putain. Chiant lui. Ok d'accord. Un mec qui a sorti des gros moyens. Hop. Oh putain, mais on peut vraiment. On a même pas besoin de sauter. Ouais. Parfait. Il y a ce rechargement si rapide avec hors la loi. Voilà qui doit être le deuxième meilleur perk à avoir, hein, je pense, sur Deadman State. Je crois qu'il y en a un qui permet de remettre instantanément des balles dans le chargeur au lieu de recharger plus vite. Ce qui est bah, bien évidemment mille fois meilleur. Mais putain, c'est vraiment l'endroit où il faut pas se faire cabalette, quoi. Oh et puis ta mère la pute. D'un coup c'est vers le. C'est loin, d'un coup c'est pas loin, d'un coup c'est. Putain, oh c'est si vite. C'est si rapide. C'est tellement rapide que je me suis trompé. Oh putain. Oh moi aussi je voulais le faire. Il l'a fait trop vite. J'ai encore un défi. Oh mon dieu. Mais si j'ai que de l'expérience, je m'en fous. Ok. Oh putain de merde, on va pas aller par là en fait. Putain, mais il n'arrête pas de bouger les épaules, j'arrive pas à faire à tirer que ce soit dans le dos ou dans la tête. Parfait. Bon, j'ai dit qu'on a plus de possibilités de faire des précisions, j'ai pas dit qu'on en ferait que. Et sois tranquille, enculé. J'arrive pas à viser la tête, c'est bon. Bon, ça met un peu. Quoi? D'accord, très bien. Ça met un peu de temps quand même à exploser, mais ok. Ils sont pas les seuls. Vous ressentir d'autres après la destruction de votre foyer. Ce n'est pas le moment de psychanalyser l'ennemi. D'accord. Nous réfléchirons à leur motivation quand ils seront morts. J'adore ce dialogue là. Je crois que c'est mon dialogue préféré des champs de bataille. Non, en fait non. Connard de virus. Connard de virus. Connard de virus. Oh. Oh le connard de virus. Oh alors celle-là, j'en mis. Oh je vais la ressortir et plus d'une fois. Regarde comment ça explose. Ça aurait pu exploser plus vite. Mais bon. Je leur en veux pas. J'arrive vraiment pas. C'est pas le bon. Ah. Je suis pas dans le bon mood. Je crois que ça a explosé. Connard! Là par contre, il y avait au moins 3 frags de précision qui sont succédés, mais bon. 3 tirs de précision. Aïe aïe aïe. Regardez cette. Oh là là, le Gilgamesh. J'essaie de taper, ça tape pas à travers. Même si l'effet visuel, on dirait.
Et ça a explosé. Il y en a. Il est pas mort, putain, incroyable. Oh putain, ils sont trop tanky. Incroyable. Oh, ça a pas explosé là. Bon, c'est peut-être bugué. Parti où là? Parfait. Bon, j'ai vérifié un truc. Non, c'est bon, parfait. Bon, je m'attendais à ce que. En fait, il y a tellement de sons partout que j'avais l'impression que j'avais mis mon casque à l'envers. Tellement on entend des sons de partout. Oh ta gueule. En plus, lui, il nous tire dessus. Il ouvre son œil, il nous regarde. En plus, il gueule, ce chien. Vraiment, on a vraiment, vraiment jamais assez, quoi. À cause de ces connards. Oh, attendez. Voilà, c'est bon. Je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Oh merde. Oh misère de misère. Qu'est-ce que tu viens faire là? Là, là deux fois. Oh putain. Il a explosé, let's go. Ok. Ah, parfait. Parfait, j'ai gagné. Alors... C'est marrant avec le Deadman... Ce qui est marrant avec le Deadman's Tale, c'est que... C'est un fusil. À la fois, tu te rends compte d'à quel point il est fort, et aussi tu te rends compte de pourquoi est-ce que le mec est mort dans la mission. Parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas de fusil moins adapté pour faire la mission présage que Deadman's Tale. Meurs. Parfait. Ça n'a pas explosé. Des fois ça marche pas. Hein. Mais... Il s'est TP. Alors je demande en bro... Au secours. Ils ont combien? Laissez-moi tranquille. Autant que je recharge au moins. C'est pas ma faute. Oh putain, viens là. Bah. Parfait, je voulais pas avoir plus. Voilà. Oh putain. Je vais par là finalement. Je vais par là. Non. Ah mais c'est parce que c'est des connards. Eh oui. Connard de Vigris. Toujours pas. C'est toujours pas bon mais... Il nous faudrait des cabales, mais je sais pas si on, comment est-ce qu'on pourrait réussir à trouver des... Merde... Ah non, en vrai, c'est dur. On peut pas en trouver tout le temps. Aïe. Oh, c'est bon. On meurt. D'accord. Là, je vais me faire foutre. Aïe. On est mort en même temps. Oh merde. Oh merde, il a rejoint le channel voix. Bonjour. Non, j'ai con, j'ai déjà une voix désactivée. Regardez. Désactivé. Allez, au revoir. Connard de Valmarag. Putain. Ça marche que sur cette mission, mais ça marche. Aïe. Putain, mais en fait j'ai de la merde, j'ai pas de...
j'ai rien pour vraiment clean. Pour clear. Excusez-moi. Oh là là, quelle esquive. Ah non, ok. Je pensais qu'on pouvait la taper, mais pas du tout. Le taper. Hein. Désolé, monsieur Valmarag. Je ne veux pas vous mégenrer. Oh putain, mais pourquoi il y a un shield qui pop là? Et il me bloque en plus dans les airs, ce chien. Ah. Il a wave dash, je le déteste. Un. Deux. Aïe, 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 aïe. Allez, vite. Non, mais si, il se recharge. Par pitié. Oui, il recharge que deux balles à chaque fois. Ça doit être fait exprès ou alors un bug. Un des deux. Excuse-moi, il faut que j'aille taper le bro. Voilà, merci beaucoup, c'était sympa. Oh putain, je savais que c'était là. Et... partout Tatis. C'est un acte d'agression qui devrait engendrer une réaction musclée. Ce sont clairement des dissidents. Kayatol a perdu des soutiens en acceptant une trêve. Les cabales ne sont pas guidées par la raison. Et autant que je sache, l'avant-garde non plus. Plus maintenant. De ce que j'ai entendu, la définition de raison des seigneurs de fer n'était pas vraiment une stratégie gagnante. Oh le bâtard. Nous n'avons plus rien à nous dire. Nous sommes au moins d'accord sur un point. Alors celle-là, elle est incroyable. Il a vraiment clashé deux fois. Il a vraiment clashé deux fois. C'est incroyable à quel point. En plus, Saladin, il y a moyen qu'il le détruise en débat, tu vois. Je me dis, bon, pour quelqu'un comme ça qui a l'air d'avoir des idées bien fermes, il faut avoir une répartie incroyable. Mais non, en fait, non. Mais c'est ça que j'aime bien du Corambo. C'est que il a gardé son côté Uldren. Il a gardé son côté un peu... Un peu connard, mais connard, c'est vraiment, comment on appelle ça, vraiment, c'est le connard un peu empathique, c'est, t'es là en mode, bon, ok, d'accord, c'est un connard, ou alors, ok, d'accord, il est de notre côté, mais qu'est-ce que c'est un connard, ou alors, ok, d'accord, c'est un connard, mais putain, il parle bien, il roucoule. Dès qu'il est contre quelqu'un, il est là en mode « Bon, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait, toi ?» Oh putain, ça c'est stylé, ça. Attendez. Bon, monochrome, je me doute que c'est intéressant aussi, parce que c'est bien, mais... Mais c'est génial. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Et des gens peuvent venir, mais c'est génial. C'est génial. Oh là là, oh putain de merde. Alors, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Je sais pas ce que c'est. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Et franchement, l'a deviné. Ok. Bon, Raoul. Raoul. Non, pas Didier. Votre retour m'honore, gardien. Putain, 1300. Allez, je vais même pas le chercher si c'est dans les commis des boss. Ok, c'est bon. Ça va là ? J'ai défié Kayatol. Elle ne peut pas faire preuve de faiblesse face à son peuple. Il me regarde pas. Elle a accepté. Le moment est désormais venu. C'est un rite d'assertion. Nous envoyons chacun un guerrier nous représentant. Le camp qui l'emporte choisit les termes de l'accord contraignant. Si nous vainquons, Kayatol cessera les hostilités. Ses forces ne poseront plus le pied sur terre. Si nous perdons,
Nous quittons Nessos et la soutenons pour l'obtention du trône. En signe de bonne foi, je deviens Bracchus Zavala et sers dans son conseil de guerre un otage glorifié. Cela ne peut advenir. Mais je me doute bien. Il est vraiment se marier du coup. Par Kayatol attend dans son char fortifié. Prendre d'assaut le char et vaincre le guerrier est pratiquement impossible. Mais c'est ce que j'attends de vous. Ok. Gardien, représentez l'avant-garde dans le rite d'assertion. Soyez notre champion. Bah ok. Bah c'est bien demandé. Le commandant Zavala vous informe que le choix s'est porté sur vous pour combattre au nom de la cité à bord de l'Alpha Electus, le char impérial présent sur Nessos. Kayatol a accepté le défi. Zavala vous demande de rassembler une escouade et de faire plier le genou au champion de Kayatol. Il vous rappelle que si Kayatol est vaincu, elle n'aura d'autre choix que de concéder la victoire ou de risquer l'humiliation. Let's go! Et donc là, on va refaire l'assaut. Bah parfait. D'abord, on va enlever... Voilà, ça. Bah génial. Parfait. Le simu, mes couilles. Ok, très bien. Bon. On rentrera au simu plus tard, parce que je sens que je dois le faire de toute façon. Donc, oui, d'accord. Et... non, pas du coup. Bon, on va le... Non, toujours pas. On va y arriver. Là. Quoi ? Ah. Les murs ne suffisent plus. Bah ok, on va y aller. Un seul assassin. Si vous voulez qu'on y aille comme ça, on y va comme ça. Hein. Je vais prendre la doctrine abyssale. Parce que non, c'est la doctrine solaire la meilleure. La plus adaptée. Cul la merde. Voilà. Comme ça, c'est bon. On a 1300. Et tout va bien. Bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Ah putain, ça fait vraiment un effet aussi dégueulasse. J'ai plus envie de cliquer sur ça maintenant. Tiens, vite fait, on en est où sur le catalyseur? 74, ok. Alors, où est-ce qu'il est? On me dit pas où est-ce que je dois aller, ça pue du cul. Ça pue du cul. Putain, après la fouine Francky Vincent. Décidément. Alors, je vais aller jusqu'au vaisseau normalement, bon. Je suis où là? Je suis déjà trop loin. Bon. Ce que je vous propose, c'est que je lance l'assaut. Hein. Plutôt que d'avoir cette horreur là. J'en ai un peu marre, hein? Mais attendez, parce que... Du coup, là... Ok, d'accord. Je voulais voir un truc, mais c'est bon. Ok. Bon. Parfait. On va le refaire, mais cette fois-ci avec un autre set d'armes. C'est pas la même chose. Impératrice Kayatol, nous invoquons le rite d'assertion. L'avant-garde envoie ses champions. Nous relevons le défi. Nos cœurs battent à l'unisson. Mais cela... Pourquoi je fais ça déjà? Devinez qu'on a raf. Paf! Non! Je me suis fait cavaler! La probabilité que je me fasse cavaler en plein passereau, quoi. Ça prendra aller vite. Il a une. Il a un dispositif là, c'est pour sa caméra Twitch? C'est pour faire ses vlogs? J'ai deux chasseurs avec moi, bordel. Fallait vraiment que j'ai deux chasseurs là? Tu pue du cul. Du coup, est-ce que ça veut dire que je vais pas refaire la même connerie?
Non. C'est bon, j'ai survécu. Oh non, il pouvait pas me tirer à travers. J'avais glissé. J'avais fait une glissade, j'étais du coup passé dans l'angle mort du truc. Bon, c'est dommage. Sinon, j'ai pas un mode rapide à faire là. Il te fait un petit. Non, Mufi Impulsion, c'est de la merde. Éclaireur, parfait. Oh, cool. Ah, bonjour. Voilà, maintenant je vais changer d'arme. Oh putain. Oh et en plus il met ça quoi. Hop là, je m'enfuis. Oh putain. Ok. Parfait. Il va crever. Regardez. Vous entrez de votre plein gré dans mon char. Comment est-ce qu'il est mort l'autre la première fois? Comme ça? Non, même pas. C'est dur de mourir. C'est dur de mourir quand même ici. Et du coup, c'est les mêmes lignes de dialogue, on est d'accord, il n'y aura pas plusieurs lignes différentes. Juste pour être sûr, je pense que non. Oh là. Mon char s'impatiente. Accomplissez votre devoir. Combattez dignement ou mourrez rapidement. C'est incroyable à quel point il est. Oui, en effet, il y a différentes lignes de dialogue, c'est bien ce qui me semblait. À moins que ce soit un autre moyen. Parce que là, elle craint quand même vachement. Lequel de ces cabales est votre champion? Tous les guerriers viennent défendre les lieux. Ah, du coup, on n'aura pas besoin d'aller en taper d'autres du coup. Une explosion de feu qui arrive 1000 ans après. Déjà ? Bah putain ! Bah je vais recharger. Bah dis donc, il est tranquille le petit pion. Ah voilà, il y a. Les gars, vous êtes pas. Pas très sympa. Lui aussi, il a le Deadman Stain, tiens. Ouais. Alors des fois je vise, je fais des frags de précision mais juste parce que ça fait plus de dégâts. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que tu veux jamais ne pas faire de frags de précision. Dans le meilleur des cas ça fera une explosion sur les mecs et dans le pire des cas bah t'auras fait plus de dégâts de toute façon. Alors, je vais essayer de. Si ça se trouve, ça va nous. Non, ça nous cabale pas. Je pense que c'est difficile de se faire cabaler d'à l'intérieur quand même. Ah. Je sais pas si. Je suis pas vidé. C'est le moment. What? Du coup, bah, je suis passé de mid life, enfin de. J'ai pris un peu d'HP à je suis mort. Intéressant ce jeu vidéo. Il est parti. Et j'ai des nouvelles aventures, let's go. Meurs. Meurs toi aussi.
Il se cache très très bien. Bien mieux que je ne voudrais l'admettre. Par là, putain. Ok. Mon champion vous attend dans le lieu de tous les honneurs. Pourquoi traînez-vous dans les zones de maintenance? Nous nous occuperons de votre champion le moment venu. Mais nous détruirons peut-être votre char au passage. Ah, nous sommes des cabales. Nous dévorons des montagnes et buvons des océans. Ouais, ça se fait déjà dit ça. Oui, donc il y a bien... Okay. Sauriez-vous vous en prendre à mon char? Il est sacré aux yeux de mes hommes. Chaque goutte d'huile sera pour eux du sang versé. Bah on bat pas de chance alors. T'es vraiment pas de chance du coup. Si vous voulez, on peut accorder une dernière volonté à votre char, lol. Vraiment, je... Oh, c'est bien ici en fait. Je vais peut-être rester là. Bon, cassez-vous. Laissez passer, je vais m'en occuper. De toute façon, là, je peux frapper comme ça. Ouais, parfait. Casse-toi. Je le prends, je le déploie et je me casse. Ah ah! Vous n'avez pas dû mettre cette couverture. Je suis donc sauf. Connard. Meurs. Parfait. Ok. Oh putain. Qui craigne un et hors la loi. Des fois, le problème, c'est que les cabales, ils ont une grosse tête, mais ils ont aussi un gros col. Ce qui fait que très souvent, on tire sur le col, et du coup, on n'a pas les frags de précision. Ah, au revoir. Mais putain, quoi? Alors là, je suis pas d'accord. Et là, enculé. Il a vraiment pris ça l'autre. Tuer ne procure aucun plaisir. Mais si cet acte de barbarie doit mener à la paix, qu'il en soit ainsi. C'est beau. Peut-être que les lignes de dialogue sont différentes parce que c'est cet assaut-là particulier. Putain, très bel impact de balle. Soyez fort, gardien. Je ne vous demande qu'une victoire de plus. Ça les lance. Les petites pétales là, incroyable. Oh là là. Le voilà. Bien. Il a tapé. 2, 3, 4, 1. Ok, maintenant je me casse. Hop. Ok. Putain, je sais pas tirer. Ah fuck. Quoi, j'avais rechargé deux fois.
Ça fait beaucoup de balles quand même. Parfait. Ah non, c'est par là justement. Kayatal, votre champion est tombé. Vous avez gagné. Rencontrons-nous et discutons de ce traité. Vous êtes un petit homme tendre, Zavala. Mais vous dissimulez une longue défense. Merci. Elle a vraiment dit ça. Très bien. Non, je voulais vraiment être sûr. Le seul truc qu'on m'a spoilé de l'assaut, et c'est vraiment ça. Putain, j'en peux tellement plus. Bon, allez. Une heure de vidéo et quelques, on y est presque. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Voilà, parfait. Allons à la tour, au Simu. Parlez au corbeau, par pitié, s'il vous plaît, vite. À moins que ce ne soit une cinématique, c'est pour ça. Oui. Existe-toi. Que notre sang coule en dernier. Que cette terre soit sanctifiée. Que l'honneur nous lie. C'est pas possible. Ça me l'a fait. Je n'ai pas ordonné ça. Amenez-moi la personne qui a tiré. Ils sauront qui c'est. Alors lui, il va prendre. Oh, elle est trop bien. Trop bien fait. Est-ce que ça va? Attendez, mais je te reconnais, toi. Non, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Oh, c'est trop bien. Oh, cette cinématique, elle vaut tout l'or du monde. Cette cinématique vaut tout l'or du monde. C'est parfait. C'est exactement ce que j'attendais depuis plusieurs semaines. C'est bon. Ça y est. C'est parfait. C'est tout ce que je voulais. C'est bon. Il y a tout. Il y a tentative d'assassinat, il y a le en fait vraiment je vous jure c'était pas Wham, il y a le corbeau qui est encore le clutchman, encore, c'est tellement, c'est vraiment le corbeau Navas quoi. J'ai fait la blague comme ça après coup en revisionnant la vidéo, mais c'est vraiment un gardien de but incroyable quand même. Non, c'est génial, c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Et derrière le Zavala qui n'en a rien à foutre. Il est juste content, c'est incroyable. Ça, on s'en fout. Alors, mon bro ? J'ai été chargé de la reconnaissance par le commandant Zavala. Il veut que je traque les conspirateurs qui ont voulu saboter le cessez-le-feu. Je veux bien croire que Kayatal est innocente, mais ne prenons pas de risques. Deux tentatives d'assassinat, c'est assez, d'après moi. Oui, pareil. Zavala me regarde. Je sens qu'il voit qui je suis. Pas celui que j'étais. Il n'a pas dit grand-chose, seulement que je devrais me faire oublier le temps qu'il résolve la situation. Je sais qu'il est à bout d'évoquer ce que nous étions, mais le fardeau que je porte depuis que je me suis éveillé dans ce... Lol, éveillé, parce que c'est un éveillé. Il est enfin un peu plus léger. C'est beau. Je crois que nous serons amenés à nous revoir, gardien. Eh ben c'est parfait.
J'avais réussi à te faire apprécier. Non, j'avais réussi à apprécier ton masque, mais bon. Alors du coup, maintenant, il va falloir que j'essaye de limiter lui. Malgré son malaise initial, le corbeau semble ravi que Zavala l'accepte. Il se réjouit de son nouveau déploiement et se sent personnellement responsable du pistage de tout psion en fuite impliqué. Il ricane en regardant son masque brisé. Il marmonne quelque chose sur une affaire personnelle avec un sourire froid. Le corbeau vous souhaite bonne chance, vous remercie de tout ce que vous avez fait pour lui, pour toutes les portes que vous avez ouvertes et pour la vie qu'il peut mener grâce à vous. Osiris et Lueur, il est certain de vous revoir très bientôt. C'est bizarre qu'on n'ait pas entendu plus parler de Lueur. Gardien, vous attendez les ordres ? Ouais, exactement. Il faut visiter Zavala, malheureusement on n'a toujours pas de porte pour passer du simu à la tour, donc on se fait chier. Ça arrive. Ah, activité. Ok. Est-ce que c'était la quête ? Ah. Oh putain de merde, il va y en avoir 12. Oh putain de merde, bon. Sinon, la voix des élus, donc toutes les quêtes d'histoire saisonnière, on va terminer. Les améliorations de marchands, on est à 16 sur 21. Ok, bah, c'est simple. On en est déjà 6 sur pas mal. J'ai la flemme de compter. Et du coup, ça va, on est pas si loin. Ça, c'est cool pour le coup. Et du coup, il n'y a pas de triomphe en mode faites tous les putains des fissionniers. Et merci pour ça. Voilà ce qu'a dit Ikora quand je lui ai dit pour le corbeau. Eh bah putain. Évidemment, elle le savait déjà, Osiris aussi. Vous aussi. Nous finirons isolés comme les cabales si nous ne nous faisons pas confiance. Ok. J'ai envoyé votre ami en éclaireur pendant que je détermine la marche à suivre. L'impératrice Kayatol honorera notre accord. C'est un armistice, pas une allégeance. Ceux qui lui désobéissent et restent sur Terre sont des criminels à ses yeux. À nous de nous en occuper comme bon nous semble. Ok. Saladin aura son mot à dire. Ah, génial. Mais préserver ce qui reste des cabales nous protège des nouvelles incursions de Xivu Arat. L'ennemi de mon ennemi, gardien. Jusqu'à ce que cela change. Très bien. Le commandant Zavala vous examine et prend la mesure des informations que vous lui avez cachées. Il vous félicite et célèbre la victoire de la cité, mais exprime un besoin de confiance et d'unité. Il affirme que sans cela, la cité sera rongée de l'intérieur, comme l'Empire Cabal l'a été. Oh putain. Récompense pour les élus d'avant-garde qui ont battu le champion de Kaatel. Let's go. Vita Brebis. Non, c'est pas Brebis, mais on dirait que c'est Brebis. Oh non, mais par contre, j'ai pas si... Non, c'est bon, parfait. Oh, donc c'est le passereau de Kayatol mes couilles la saison. Ok. C'est le même que le... Enfin, c'est dans le même style que le vaisseau. Alors par contre, vite fait, est-ce que j'aurais pas... Il est où le... Fuck. Je l'ai pas là, tout de suite, là, sur moi. C'est encore les problèmes des... Oh putain, bon. Meurs. Toi aussi. Donc là, il y a lui, ok, mais... Quoi ? J'ai besoin des deux en même temps. Tac. Non, là. Lui, exactement. Fuck. Hop. Non, pas lui, du coup. Ah, bah voilà, là, on l'a un peu requinqué. Là, il y a un peu d'attaque, maintenant. Et du coup, l'autre... Pas que je loupe, alors. Je l'ai loupé deux fois. Voilà, parfait. Ah bah, ok, d'accord. Ouais, non, il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça, il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça. Parfait. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Ok, merci. C'est parfait. Du coup, insertion du changer terminée. Ouais, je crois que c'est le cas. Je crois que c'est le cas, mesdames et messieurs. Bah, c'est bon, c'est parfait, c'est cool. On a terminé cette semaine. Alors, pour le coup, c'était vraiment l'achèvement de tout ce qu'on avait eu jusqu'à présent.
tous les teasings, mes couilles, tout ça. Et c'est parfait parce que du coup, on a eu toutes les situations qui sont quasiment réglées d'un seul coup. Alors après, je sais pas s'il y aura d'autres trucs derrière, mais je crois que ça a l'air d'être le gros du taf, quoi. Le gros du boulot. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je regarde là vite fait? C'est ah oui, j'ai trop d'armes. Bon, c'est chiant. Bref. En tout cas, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, mesdames et messieurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. C'était Oscur. Salut !